Lens compte au dernier recensement 31 415 habitants. La population de cette sous-préfecture emblématique du bassin minier décline légèrement entre 2012 et 2017, moins 0,78% selon l'INSEE. En 2016, 32% des Lensois vivaient sous le seuil de pauvreté et près d'un tiers de la population active était au chômage. Lors des dernières élections municipales, 5 candidats se sont qualifiés pour le second tour. C'est finalement Sylvain Robert à la tête d'une liste d'union de la gauche qui s'impose avec 42% des suffrages, devant Arnaud Sanchez, divers gauche également, et Hugues Sion du Front National. Alors quels sont les enjeux et les priorités pour Lens en 2020 et quel est le candidat le mieux placé pour les porter? C'est l'heure du débat.